Oh oh oh, bien le bonsoir à tous et à toutes, et bien le bonsoir pour un nouveau live. Et aujourd'hui nous sommes sur Code Vein. Code Vein, ce jeu qu'on avait fait la démo ensemble et on s'est quand même bien éclaté jusqu'à un boss de merde qui nous a relativement brisé les couilles de manière intempestive. Donc, je ne vous laisse pas l'intro comme je l'avais fait la dernière fois, parce qu'en fait, elle est sous droit d'auteur. Toujours ces fameux droits d'auteur, hein, si on veut que la vidéo soit sur YouTube, il faut malheureusement préserver le suspense. Et donc, je ne peux pas vous montrer l'intro, hein, sinon je vais avoir quelques soucis. Voilà. Mais écoutez, Code Vein, hein, on va se faire ça, et je pense que ça va être très très bon, hein, ma foi. Qu'est-ce que vous en dites? Bien le bonsoir à vous, bien le bonsoir. Bien le bonsoir, Eden. Bonsoir Angelus, salut Castor. Oh mon dieu, tellement de personnes. EGXOFIRE, salut à toi. Oh là là là, vous êtes presque... Putain, vous êtes déjà presque 20 sur ce live, mais c'est absolument dingue. Eh bien écoutez, on va commencer en bonne et due forme tout de suite. Parce qu'on ne va pas attendre plus longtemps. La langue de ces documents. Oui, je choisis le français, oui. Blablabla. Voilà, oui, bien sûr, allez, tu pourras effectuer des expériences saugrenues sur moi. Je sélectionne l'Europe. Voilà, parce que j'ai la chance de vivre en Europe, alors écoute. J'y suis, j'y reste. Est-ce qu'on joue en ligne ou en hors ligne? Non, on va jouer en hors ligne, merci. Pas trop envie de me faire chier, en fait. Parce qu'en fait, je sais pas s'il y a un système d'invasion, je crois que c'est juste de la coop, et si c'est ça, je m'en fiche de jouer en ligne, en fait. On va tout de suite régler les paramètres du jeu pour voir ce qu'il y a. Là on s'en fout. Les commandes, bon, on s'en fout. La caméra, on s'en fout. La luminosité, on vient de le faire. Paramètres sonores, tout est bon. Ok. Paramètres de langue. Avec des sous-titres, doublage. Un doublage de qualité japonaise, s'il vous plaît. Pour que l'immersion soit absolument totale et parfaite. Voilà. Bien voir. Je viens de réaliser, tu streams deux fois par semaine, tu fais 4 jours en même temps. Oh non, en fait, il y a des jeux que je fais dans mon coin aussi. Mais là par exemple, ce week-end, je voulais jouer à Borderlands 3. Je voulais y jouer. Mais, je travaillais sur le speedrun commenté du mois d'octobre. Voilà, donc c'était extrêmement discret, je sais. Voilà. Comme ça, vous le savez. Ça va, pour l'instant, j'y ai passé... Aujourd'hui, j'y ai passé... je crois que j'y ai passé... 3 heures à peu près, aujourd'hui, de mon temps. À peu près, 3 heures et quart. Ça va, j'ai fait pire. Allez. Allons-y. Commençons cette aventure. Quel sera mon nom? Je ne sais pas. Est-ce que mon nom devrait être un rapport avec mon personnage? Je vais voir, attends, nom de code. Ah. Oh, tant pis. Elle s'appelait Raven Cross. Nom de code, Raven. Suivant. Alors, est-ce qu'on fait un mâle ou est-ce qu'on fait une femelle? Ah là là. Ah, merci Angelus, en tout cas pour Code Vein, hein, c'est surtout lui qu'il faut remercier. Parce que moi, en fait, ce mois... Comment vous dire que ces derniers temps, niveau argent, c'est la merde. Dans le sens où j'avais pas mal de frais pour ma voiture. Plus le contrôle technique. Plus la taxe foncière. Tout ça, évidemment, en même temps. Voilà, comment te dire que... Voilà, c'est compliqué.
Merci beaucoup, gamers, pour le cheer de les 100 bits dans la gueule. Oh là là, merci beaucoup à toi, gamers. Ah, pas de soucis, tu ne peux pas tout suivre. Il n'y a pas de soucis, ça fait déjà bien plaisir que tu sois là. Allez, femme. Bonsoir, Milcolm. Ok. Alors, on peut choisir des apparences. Oh, yes. Oh là là. Alors ça, c'est typiquement du Borderlands. Ça, c'est d'accord. Ouais, y a des trucs vraiment chelous par ici. On va prendre celle de base. Et ensuite, voilà. Vous êtes prêts à revoir encore 2 heures de pur plaisir à me voir créer un perso? Voilà. Alors, voyons. Voilà, hein, je crois que hein, c'est limite nécessaire. Alors, la couleur de peau. La couleur de peau. Je veux une peau pâle. Voilà. Un truc assez palichon quand même. Après, je peux mettre voilà un blanc comme ça aussi. Hein. C'est pas mal comme ça. Voilà. Un bon blanc. Alors ensuite, alors attendez, j'ai de quoi, voilà, 2 heures amateur. Oui, j'ai vu des streams complets de création de perso de Code Vein. Hein. Ah, vous n'imaginez pas hein, tout ce que ça peut faire pour vous. Alors, je me suis pris une image sur internet. Par contre, est-ce que j'aurai de quoi faire? Sinon, je serais dégoûté hein, si je n'ai pas de quoi faire ce que je veux. C'est très bien ça. Voilà. C'est très très bien. Après, est-ce qu'il n'y a pas une frange un peu meilleure quand même? Ah. Donc, on va faire comme ça. Allez, on va faire comme ça. Ensuite. Alors ça, c'est la couleur des cheveux. Oh là, la couleur des cheveux. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on peut faire un putain de dégradé. Ah putain, sinon j'aurais fait un homme. Sinon j'aurais fait un homme, j'aurais fait le gars de Tales of Xillia 2 là, Ludger. Oh, c'est ça son nom, Ludger Kresnik. J'aurais pu faire ça aussi, tiens. C'est pas con, mais c'est pas con, nom de Dieu. Fais voir un petit peu. Ouais, alors le rose il est pas. Il est pas ouf hein, le rose. Hein. Franchement, je suis assez déçu. J'aurais aimé un rose plus pâle. Fais voir un petit peu. Ça ne change absolument rien. Bah, 10% de la chevelure. Ah, on s'approche de quelque chose, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais après, je crois qu'on peut changer la tête du perso tout le temps. Hein. Donc. Salut Matt, je ne reste pas longtemps. J'ai acheté Code Vein vu que je suis un fan de Souls Game. Un petit coucou en passant, c'est te dire que je. T'es répondu en MP sur Facebook, si tu pouvais me répondre, ça serait cool. Bonne soirée. Eh bien, bonne soirée, Matt, pas de soucis. Hein. J'ai eu une semaine assez longue et éprouvante, donc du coup, j'ai rien eu le temps de faire. Ah. Intéressant. Alors, par contre, si mon personnage pouvait, en fait, légèrement... Voilà. Oh. Voilà, un petit sourire, hein, ce serait quand même pas du luxe, dirons-nous. Voilà. Ensuite, les yeux. Les yeux qui sont très importants, finalement. La carrure et le sexe. Mais en fait, je sais pas, je vais essayer de voir. On va essayer de créer un personnage assez rapidement, quand même. Je me demande s'ils ont gardé l'apparence... Oh, charge apparence de la démo. Oh putain, ça c'est cool, ça. J'avais bien aimé mon perso de la démo, en vrai. En fait, je voudrais voir si c'est faisable de faire ce que je veux faire. Est-ce que c'est faisable de le faire? Aucune idée. On va tester. Voyons voir les yeux. Ah bah si on peut charger le perso de la démo, ça va être vite fait. Hein. Pas tout à fait ce que je veux en termes de... Il n'y a pas ce que je veux en termes de regard. Tes yeux sont vides, ma chérie. Regarde-moi ça. Non mais regarde-moi ce désastre. Oh là
On va mettre ça. Là, on va mettre un. On va mettre ça. Intensité des reflets. Non, ça ne sert à rien. Ici, on va mettre un. Voilà, un rouge. Un rouge pétant. Et ici, du coup. Attends, parce que j'aimerais bien voir. Ah, c'est ça, d'accord. Eh ben non, on va mettre. Moi, j'aurais mis une espèce de noir. Voilà. Why not? Why not? Alors, attends, au niveau des reflets. Putain, s'il y a exactement ce que je veux, je serais juste refait. Pas tout à fait ce que je veux, mais. Ah, quoique. Excellent. Il y a ce que je veux. Ok. On va être un petit peu plus. Pas mal! Pas mal, pas mal! Eh ben, les sourcils, c'est con, on les voit pas. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et on n'en parle plus. Maquillage. J'aurais presque mis. En fait, il me faudrait plutôt, tu sais, les pommettes des joues un peu rouges. Ouais, voilà, un genre de truc comme ça, mais. Là, du rouge. Je veux que tu rougisses, nom de Dieu! Là, rouge! Ah putain, ça se voit. Voilà. Attends, what the fuck? Ah bah voilà. Oh mon Dieu, Lucas! 1500 bits! Oh mon Dieu! Bon, tu te dépêches, mais pour 1500 bits, mais je me dépêche à la vitesse de la lumière, hein, si ce n'est que ça. Oh là là, mon Dieu! Oh, c'est merveilleux! Alors, c'est merveilleux. Pas mal. Voilà. Et comme ça là, on peut les réduire un peu. Voilà. Regarde ça. C'est pas mal! C'est pas mal comme ça, non? Là là là. Voyons, accessoires. Merci pour les cadeaux, du coup, Lucas, pour les personnes qui sont présentes sur le chat. Évidemment, des accessoires. Il y avait ce que je voulais, je crois. Qu'est-ce qu'il me faudrait? En fait, il me faudrait un. Ah bah voilà. Faudrait un truc comme ça. Pourquoi est-ce qu'il. C'est forcément le skin comme ça. J'aime pas ce skin. On va mettre comme ça. Voilà, par contre, camouflage, pas du tout, en fait. Non, il me faudrait des couleurs sobres, assez simples en fait. Genre, on va mettre du blanc avec, voilà,
Bah là, faut l'avouer, c'est pas si mal. Alors, on va mettre comme ça, non? Sinon, je mets en full noir. Mais... Ah, full noir, c'est pas mal aussi. Allez. Voilà. Voilà. Pas mal, pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres accessoires qu'on peut mettre? Du genre un. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, un vieux collier, là. Un petit collier. Y a pas exactement ce que je veux. Donc à la limite. À mettre comme ça. Ensuite, on va mettre un. J'aimerais une couleur. Ah putain, il n'y aura pas ce que je veux vu que la couleur elle est chiante là. Regarde ça, ça me met un effet foncé direct. On va plutôt mettre celui-là. Oh mon Dieu. Donc où est-ce que je suis en train de m'embarquer? Là. Non. Putain, c'est pas compliqué. Je veux du doré. Je veux. Putain, c'est plus compliqué que ce que j'aurais cru. Le mec, il veut faire un truc doré, mais il n'y arrive pas. Ah bah voilà. Pas exactement ce que j'aurais voulu. Bah, c'est la merde. On va laisser comme ça au pire. Va laisser comme ça. Et ben, c'est pas trop mal en vrai. C'est pas trop mal. Franchement, franchement, entre nous. Entre nous, ça passe! Pour le doré, va en bas dans métal et prends or. Oh. Alors. Attends, là j'ai. Putain de bordel! Métal! Métallisé! Éclatant! Chatoyant! C'est pas tip top. Je n'ai pas tip top. Voilà. Bon après au niveau de tenue. Pas mal. Voilà, tenue décontracte. Eh franchement. Ça passe ou ça passe pas? C'est excellent. Est-ce qu'on vient pas de créer Super Sonico là? Est-ce qu'on vient pas de créer Super Sonico en live? Franchement. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là. Ah franchement, c'est Super Sonico. Attendez. Merde quoi. Ah non, c'est franchement Super Sonico. Ah, je suis content. Vas-y, je viens, je la sauvegarde. Boom. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, après, la tenue est à revoir en termes de couleur. Hein. Attends. Attends, attends. C'est du blanc et un bleu dégueulasse. Donc, en gros, ce qu'il me faudrait, ce serait. Bah, du blanc, en fait. Tout connement, un putain de blanc. Ah ouais, c'est ça du blanc chez vous les gars. Ah bah putain. Ok, et puis une espèce de comme ça.
Ah oui, mais d'accord, moi je changeais la couleur de la jupette en fait. Ah! La ceinture, on peut la faire noire. Pas mal! C'est du blanc sale, c'est tout. C'est pas du blanc. Ce n'est pas du blanc, mesdames et messieurs. Je suis outré. Bah tiens, ça c'est plus du blanc. Ce jeu se fout de ma gueule. Voilà. Ah franchement, eh, Super Sonico. Super Sonico, je suis désolé. Voilà. Excellent. Excellent. Ah là là. J'ai presque envie d'essayer de faire un homme, tu vois, juste pour voir. Après, vous allez me détester. C'est évidemment du gris clair. J'avais envie de tester, putain, de faire. Attends, j'ai regardé sur internet. Ludger Kresnik. Je crois que c'est ça. Ouais, Ludger Kresnik, je suis pas si mauvais en vrai. Arrête, il a trop la classe! Oh, oh, il aurait tellement la classe! On va essayer de se charger ça. Ah non, attendez, je ne peux pas ne pas essayer. Je vais le foutre sur le bureau. Comme ça, vous avez le comparatif. Ah non, il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye. Comment ça marche déjà? Putain, l'homme qui ne se sert jamais de ce truc. Bureau. Voilà. Ça, c'est notre. On va le mettre là. Allez! Changer de sexe. Ah, il faut que j'essaye. Voilà, ça va être notre objectif. Ça va être notre objectif. Et je pense qu'on fera le jeu avec un homme au pire. Ah, franchement, ouais, si je le réussis. Restez avec moi, restez avec moi! Si vous voulez les pisser, par contre, vous pouvez. Mais restez avec moi. Alors, attends. La corpulence. La corpulence, nom de Dieu, c'est hyper important ça. Alors lui, c'est un gringalet, mais fais voir. Ouais. On va le mettre à 12. Juste histoire de dire. Non, à 14. 14. Je veux quand même. Hein? Oh, allez, tu sais quoi? Attends, on est jusqu'à 20. On va mettre à 15. Juste histoire quand même de dire. Oh, j'ai quand même une carrure, j'ai quand même des épaules, nom de Dieu. Ah là là. Alors attends. Attends, attends. Donc lui, bah comme tous les persos de manga, blanc comme des culs, mais t'inquiète pas, je suis pas mieux, hein, je. Voilà. Ah, quoique, attends. Et là? Ouais. Brun bleuté, ça irait bien. La chevelure. Bah la chevelure, on est déjà sur quelque chose de pas mauvais, en fait, là, hein, en soi. Parce qu'après, t'as celle-là. Non, il me faudrait un truc plus. Non, celle-là, elle fait trop coupe au bol. Ok, d'accord. Alors après, on a des calvities qui s'assument pas. Ça c'est typiquement la coupe. Ouais, non, d'accord, ok. Attends. Ah, franchement, celle-là est pas dégueu, hein. En vrai, je vais garder celle-là, hein. Alors ensuite. Et on se revoit. Allez, c'est ainsi que le live se termine. Il est déjà 3h30 du matin. Oh! Oh! Alors attends. Est-ce qu'il y a plus blanc que blanc? Oh, le rayon de soleil! On va mettre comme ça. Là, on va mettre un bon gros noir. Voilà. Ah, ça va être délicat. Ça va être très très délicat de faire. Et ça, c'est quoi? Ah, les reflets de la chevelure.
Si on met taquet de reflet, peut-être que ça compensera. Ah, j'aimerais bien un entre-deux. Si je mets ça avec moins de reflets, ça fait plus. Ouais. Ah, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. On va laisser comme ça. Je peux pas faire mieux pour l'instant. Alors attendons. Attendons un petit peu. Alors ensuite, en termes de visage. Alors par contre, il faudrait que je me rapproche un petit peu. Comment on. Viens vers moi, enfoiré! Attends. Pour qu'ils viennent. Ah, voilà. Alors, voilà. Bon, ok. Alors, au niveau du visage. Non. Il n'a pas forcément des grands yeux, mais quand même, quoi. Je veux dire, respectez-le un tout petit peu. Alors, ça, c'est Orochimaru. Ah! Non. Attends, faut voir avec une autre. Une expression. Ah ouais, dur. Ouais, laissez en souriant. Hein. En fait, les yeux sont vachement, je trouve. Comment? Mais est-ce que c'est parce qu'il sourit? Non? Putain, les yeux, ils sont pas très épais. Alors là, ça fait, je sais pas, trop. Trop grand à mon goût en fait. Je pense que ceux-là sont les mieux. Ok. Ok. Salut Ogre. Ok. Ensuite, pupille. Alors monsieur a des pupilles. Oh putain. Assez classique en fait. Mais par contre, je vais tout de suite mettre de la couleur parce que tout à l'heure, j'avais un peu galéré avec Sonico. Voilà. De la couleur. Voilà. Ok. Ok. Donc, comme ça, je vais pouvoir plus vite trouver en fait ce qu'il lui faut, sachant que bon, ça va être dans ces eaux-là, hein. Alors comme ça c'est bien. Alors franchement, hey, franchement ça va. Ça va, ça va. Alors par contre, bah, je vais lui faire comme Sonico en fait. Un truc un peu comme ça. Voilà, très bien. Fais voir. Pas mal. Alors, on va mettre à 60% de ça. Ok. Pas mal du tout. Alors les sourcils. Je pense qu'il lui en faut des. Il y a quand même de longs sourcils, mais fins. Donc peut-être ceux-là. Voilà. Il lui les faut assez clair. Ah, mais en même temps. Finalement, même comme ça, ils ne se voient pas. Peut-être un peu plus clair que ça. Peut-être un petit peu plus clair. Ah, oh, finalement, ils n'étaient pas si mal, ça va. Voilà. Voilà. Il n'a pas forcément besoin de maquillage, en fait. Il est bien comme il est. Ok. Bon, je pense pas qu'il en ait besoin, honnêtement. C'est Ludger. Cicatrice. Autre, il a pas de cicatrice. Peinture faciale, il n'en aura pas. Alors, des accessoires. Est-ce qu'il a besoin d'accessoires, lui? Il a quelque chose au poignet. Est-ce que vous avez ça, les mecs, là, de chez Code Vein? Ah, attends. Et si je lui rajoutais un truc de cheveux? Je peux lui rajouter.
Ouais, mais en moins long, quoi. Parce que là, ça fait peut-être long. Putain, on peut faire ça! Des cheveux blancs et on lui rajoute des cheveux noirs! Oh, cette idée de génie que je viens d'avoir! Fais voir! Si je fais genre un truc comme ça, que je lui dis par exemple, mets-le noir. Yes, donc ça c'est du noir pour eux. Ok, peut-être falloir réviser ça, les gars. Voilà, par contre, faudrait lui mettre un. Peut-être des reflets ou je sais pas. Voilà. Du coup, si tu retournes dans la chevelure et que tu dis par exemple que ça. Fais voir. Ok. Ça fait un peu dégueulasse. Ça fait un peu dégueulasse quand même. Hein. On va pas se mentir. On peut laisser comme ça ou pire? On peut laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu peux. Attends, tu peux réduire la taille d'une des coupes ou la repositionner? Ouais, je crois. Je crois, oui, dans les accessoires. On peut pas les. Je sais pas comment. Merde. Ah non, j'aurais pu la. Ah putain, on peut pas. La chevelure, on ne peut pas. Merde. Crotte, flûte. Putain, merde. Bah ouais. On peut. En fait, la chevelure, on peut pas la changer. Par contre, si je lui mets un truc qui n'a rien à voir et que je le repositionne, en fait, ça pourrait presque marcher. Mais ce serait trompe-l'œil et ça irait pas. Parce que là, c'est vrai que ça fait con. Ah, oh, ce serait. C'est dommage. Faut mentir ou être honnête. Ah, c'est dommage. Bon, attends. On va continuer sur d'autres trucs de toute façon. Parce que déjà. Monsieur Ludger Kresnik, il a donc un petit bracelet. Un bracelet au poignet. Ça, ils me prennent vraiment pour un jambon. Je peux pas mettre de bracelet au poignet ou quoi? Ou alors il faudrait que je. D'accord, ouais, génial. Je peux ressembler à un chien, mais. Non. Rien qui me tente et qui me donne envie là-dedans. Alors après, je peux prendre. Oh. Pas mal, attends. Putain, en vrai, c'est pas mal ça. Limite plus celui-là. Par contre, celui-là. Ah putain, les enfoirés! Ah, oh, rentre! Oh, rentre en moi! Non. Blop! Ah oh, putain, tu peux pas le mettre sur la jambe! C'est naze! C'est naze! Je vais mettre quelque chose sur. Je vais mettre ça, mais sur ma jambe! Sinon, mon cosplay ne sera pas crédible! Oh là là, quelle tristesse. Sinon, tu peux pas faire un dégradé sur la deuxième afin que ce soit moins choquant. Ah si, je peux. Mieux ou pas mieux? Entre nous, je kiffe. Ah putain, il pouvait pas l'avoir sur la jambe, c'était ton foiré!
On va changer la tenue déjà. Voyons. Vous êtes 32 sur live. Merci à vous d'être là ce soir. Merci beaucoup. On est en train d'essayer de créer un perso. Hein. C'est compliqué. Il n'a pas une tenue plus... Alors limite, celle-là, elle pourrait presque aller. Mais il manquerait la cravate en fait. Je pourrais peut-être avoir après, hein, vous me direz. Cette tenue-là irait. Par contre, voilà les couleurs de merde. Ah, ça ne va pas du tout, ma chérie. Hein. Ah non, non, non. Ah non. Alors ici, il nous faudrait un bleu. Foncé. On va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Ah, il est plus comme ça. Comme ça. Ok. Ensuite. Ici. Bon, c'est pas compliqué en fait. Non, il me faut du noir. Putain de noir. Gangster! Noir gangster. Pourquoi gangster? Ensuite là. Ce qu'il me faudrait. Ouais, la cravate, ça doit être un accessoire. Aujourd'hui, nous allons changer la vie de Pierre-Louis Emmanuel. Qui a décidé de se relooker? Alors, on avait dit. Il nous faudrait du gris. Mais je sais pas trop où le mettre. Putain, mais t'as pas. Le gars n'a pas de ceinture! Mais merde, grand, qu'est-ce que tu branles? T'as pas de ceinture! Alors attends, sachant qu'il a... Ouais, je sais, attends. C'est celui-là, il faudrait le mettre en gris. Et l'autre, on va le laisser comme ça. Alors attends, on va... Ici, c'est quoi? C'est intérieur là-dedans. Voilà. Ici. Et là, du coup, on va mettre plus un gris clair. Ah, on va même plus taper dans le blanc, en fait, parce que le blanc fait du gris délavé. Ouais. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc violet là? Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Virez-moi ça, virez-moi ça. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? À la limite, il me faudrait une espèce de rouge assez foncé, tu vois. Ah, mais même un rouge foncé, ça va trop se voir. Ou alors on met un gris et on met la même chose que là, histoire de faire contraste. Voilà, ça fait contraste. Why not? Why not? Donc ouais, attends, on va regarder dans les accessoires s'il n'y a pas une petite cravate. Je prie le Seigneur Dieu. Est-ce qu'on n'aurait pas une cravate? Attends, what? Voilà, enlève-moi ça, voyons. Il y a plein de colliers, de machins. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une putain de cravate. Putain, il n'y en a pas, je suis choqué. Je suis choqué. C'est peut-être dans une tenue après, hein, tu me diras. Bon, t'as pas de boucle d'oreille, t'as rien, mon gars. Laisse-moi te dire que... Ouais. Putain, il a rien non plus là. Non, il a juste un pantalon classique, hein, il a pas... Tu vois, il est à la fois simple et à la fois compliqué. Un peu comme moi, c'est bien. On se comprend.
Putain, c'est con, j'ai rien pour faire un. Ou alors on se prend un truc comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai ça d'obligatoire sur... Je peux le changer ça? Mais ils m'ont collé un pendentif de base. J'en veux pas. Pourquoi ils m'ont collé un pendentif, cette espèce de trou du cul? J'en veux pas moi. Je ne veux pas de ce pendentif, vous êtes gentil. Pourquoi est-ce qu'il me colle un pendentif, c'est con? Bon, pendant ce temps, changer le masque. Prendre ça. Non, juste ça. Bon, on n'est pas trop. Ah, les yeux, je sais pas encore, hein. Fais voir. Ouais, non, il y a vraiment rien qui pourrait correspondre. Oh, il a l'air trop con comme ça, non? Il a pas l'air assez sérieux comme ça. Après, oui, effectivement, quand il sourit, il a moins des petits yeux. Là, il a vraiment des yeux de merde, mais... Ah, au niveau des yeux, je suis un peu déçu, les gars. Hein. Putain, ça lui fait des petits yeux. Je suis pas ultra fan. Peut-être mieux cela. Ouais, ceux-là sont bien mieux. Ceux-là sont bien, bien mieux. Dans la case à côté de la sélection de tenues. Ah, putain, d'accord, merci. Ah, je viens de comprendre, merci beaucoup. Alors attends, du coup, ça on va... Ah bah oui, bah ça on va enlever, forcément. Les gants, on va les enlever. La petite chaîne, c'est quoi? On va la... Il en a une, donc on va la garder. Le pendentif, on enlève. Ça, il en a pas besoin non plus. Et ça, on peut le laisser, par contre... C'est un peu con que ce soit en noir. Mais ça ira. Ok. Putain, bien. Merci beaucoup, Gamers, pour les conseils. On a bientôt terminé, je vous le jure. Parce que là, franchement, voilà. On est bien. On est vraiment bien. Peut-être un poil trop blanc au niveau de la couleur de peau. Ouais, mieux comme ça peut-être. Je vois pas ce que ça a changé. On est bien, on est bien. Du coup, est-ce qu'on a d'autres accessoires potentiellement qu'on pourrait lui mettre? On pourrait au pire lui mettre. Attends, on peut le modifier? Putain, on peut rien modifier. Cet homme se fout littéralement de la gueule du jeu. Ah, tu peux rajouter des trucs. Ah bah non, mais putain, tu peux pas. Rajouter des trucs aux bras, c'est bien, mais putain, il y a autre chose que des bras. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment très bras, très machin, mais... Oh, attends, on peut peut-être lui mettre un truc là sur le souci du détail, non? Il a pas un truc là sur la chemise? Ouais, bon, je... Un emblème ou une connerie, mais... Pff, good luck pour trouver un truc ressemblant, quoi. Non, ça on s'en fout. Donc il n'a pas de chapeau, donc c'est même pas la peine d'essayer. Il n'a pas de lunettes.
Je l'aurais bien mis ça, mais le problème c'est que. Ou alors il faudrait. Un putain de jaune ultra pétant. Ouais, et même comme ça, je trouve pas que ce soit assez. Assez pétillant pour les yeux, tu vois. C'est vraiment dommage pour la cravate, hein, franchement. Ah, c'était presque bon, et là, le jeu nous laisse tomber au dernier moment sur le dernier petit. Ah, j'aime pas. Non, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Ben voilà. 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 Alors, sur 20, comment est-ce que vous trouvez le personnage? Allez, sur 20. Ben, je pense qu'on n'est pas trop mal en vrai, hein. Il y a que la cravate. J'arrive pas à trouver une cravate. Fais chier. En plus, ça aurait trop bien allé, quoi. Putain, les gars. Ah. Mais bon. Voilà. C'est pas mal. 7! À ce point. C'est à ce point minable. Y a pas de cravate. Raven sur 20. Oh là là. Eh ben, moi, je l'aime bien. Donc, on va faire le jeu avec lui. Ça va être génial de choisir une voix, sachant qu'il n'en a pas dans Xevia 2. Ah, il est plus heureux. J'aime bien la voix, le type 6. Tony Shingo, bien le bonsoir à toi. Allez, je vais prendre la voix 6. Du coup, ça. Est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on a tout? Sauvegarder évidemment l'apparence. Voilà, du coup, en l'espace de. Pour ceux qui voulaient voir. En l'espace de presque 1 heure, on a fait Ludger Kresnik et Super Sonico. Que j'ai pas vraiment fini, mais bon, c'est pas grave. Nice! Sympa! Sympa, sympa. Chargé apparence de la démo. Ça, je vais la reprendre. Voilà. Ensuite, on fait sauvegarder. Et voilà! Et voilà, on est trop malin. Ah, j'avais pas du tout bien réussi, hein, apparence de la démo. Alors, on y va ou on n'y va pas? Ah là là, Tony Shingo, bienvenue! Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah! Allez, on va enlever du coup ça. Merde. Monsieur Corée de touche. Voilà. Allez, hop, hop. Nickel. Ah, moi je suis content. Je suis content, je suis assez content. Ah, peut-être, ouais, il y a une mèche là. Et t'es là, les gens. Non, 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 tout va bien, allez, c'est bon. Non, attendez, juste, je regarde un truc. Attendez. Ah, c'est vrai que ça fait. Ouais, mais de toute façon, je suis un peu obligé. Hein. Voilà. Un cran en moins. Je sauvegarde. Fais voir. Bon, ça change pas grand-chose en vrai. Allez. C'est parti.
Ça a été plus court que pour la démo. Non, je crois que c'était 3 quarts d'heure aussi. Ça va bien et toi, Tony Shingo? Et bah voilà, allez. Bah, j'ai été sage, oui et non. Voilà ce bon vieux tuto. Nice. Oh putain, c'est vrai que le tuto il est chiant, mais il y a des trucs qu'il faut absolument que je réapprenne. Peut-être augmenter un peu le son du jeu, j'entends rien. Statistiques, t'as donné vers le milieu de terrain. Combattant. Son blood code est fighter to yobareru mono ne. Sentou ni yuri na blood code yo. Blood code no motsu hitotsu hitotsu no chikara wa renketsu to yobarete iru no. Fighter wa taikyū ryoku ga koukyū teki ni joushou suru renketsu o motte iru wa. 他には一時的に攻撃力を増加させる連結もあるみたい。この連結を使ってみましょうか。 Alors est-ce que je le mets sur les mêmes trucs que ça ou est-ce que je le mets ailleurs? それじゃあ使ってみて。 Ben, essaye maintenant. Ah, d'accord. Jōdeki-ne. Renketsu wa jizen ni junbi shite okanai to kōka o hakki shinai kara ki o tsukete ne. Daiji na koto o ii wasurete ta. Renketsu o hatsudou suru tame ni wa tokubetsu na chi ga hitsuyō nano. Jiga o shinai bakemono ni nari hatete shimatta Revenant. LOL, j'écoute pas. Je vais le regretter. De toute façon, tu peux refaire le tuto à tout moment. M'en bats les couilles, je veux du sang, des tripes et des boyaux. Voilà. Attaque rapide, attaque puissante, esquiver, L1 et changer d'arme. Ah, vas-y, j'ai jamais testé ça. Seul marteau de l'édo, le bordel. Alors, soit mon arme est nulle à chier, soit cet ennemi était extrêmement fort pour un tuto. Tu te fous de moi, Cruz. Ah,
Alors, ce qu'on m'a reproché quand j'avais joué la démo et le boss, c'était que j'utilisais pas les sorts, les trucs comme ça. J'étais arrivé et j'avais juste mon couteau et ma bite, quoi. Voilà, c'est surtout ça qu'on m'avait reproché. Donc, il faut que je réécoute surtout cette partie. Tu peux changer de code sanguin comme de boxeur, c'est pas mal. Excel dans les dons de soutien et de défense. J'ouvre le menu de terrain. Du coup, je vais voir le code sanguin. Donc ça, c'est Excel dans les dons de soutien et de défense. Et du coup, j'ai gagné un bonhomme qui glisse. Veilleur. D'accord. Équipe-toi d'une baïonnette. C'est génial la baïonnette. Tu connais Bayonetta? Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. J'imagine qu'on dit Icor et pas Ishor, mais bon, je préfère en être sûr. L'homme qui prononçait Lichen au lieu de Liken, tu sais, sur Dark Souls. C'est moi. Ta gueule. Ferme ta gueule, on peut plus. Oh, ça c'est bon ça. Absorption. Oh, d'accord. What? Alors le absorption combiné, le R1-3, j'ai pas compris. Je crois qu'il est mort. Merci Castor. Regarde à l'intérieur. Elle est mage spécialisée dans les dons offensifs puissants. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je change de code sanguin. Ce qui me change toutes mes stats. Igor. Gordos Gor. C'est ça que j'ai pas encore bien saisi. Tu veux changer un peu de truc, tu changes de code sanguin et c'est tout. C'est bizarre. T'apprends vite. Ah, apprendre un autre don. C'est ça que j'avais un peu zappé. Comment on apprenait un autre don? Ah non, je l'avais fait, je crois. Mais les dons étaient nuls à chier. En touchant des pouces. Bonjour Madame la Pousse. Permettez que je vous pousse. Allez, au revoir. Je peux apprendre ça. Le cri embrasé. Tu vois, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui galèrent à Dark Souls. Foutage de gueule. Ok, donc après je sélectionne ça, ça. Mais du coup, attends, ça veut dire que... Ah, après ils te permettent plus d'aller en menu.
Oui, mais c'est ça qu'on veut, putain. Et si je change de code, du coup, ça va me changer mes trucs là. Putain, moi je veux de la pyro, mais moi j'aurais voulu combiner les deux. Putain, je pense pas que ce soit faisable, c'est con. Ça ferait un jeu trop unilatéral, c'est dommage. Tu peux utiliser les dons pour tous les codes sanguins en les utilisant via des ressources. Ah, d'accord, ça va, ça me rassure. Bonjour monsieur. Pouah, la puissance! Meurs! Bon, j'avoue, c'est kiffant. J'avoue, la magie, ça fait plaisir. Putain, il me faut de la pyromancie par contre. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Attends, c'est même pas pyromancie que ça s'appelle. C'est un peu soudain, mais t'as tout bien compris, hein? Oui. ブラッドコードの切り替えだけじゃなく新たなブラッドコードを取り込むことも Maintenant, réveille-toi. Sauve le monde! Oh, excellent, gamers! Ça a l'air bon, ça. Moi, c'est ça que je veux. C'est pas du gameplay du genre. Bon, bah, t'as une arme, puis t'attaques, puis c'est tout. Je veux avoir des sorts en même temps, je veux des trucs, voilà. Ce que me proposent un peu les Dark Souls, quoi. Non, ce que te proposent des bons RPG. お帰りなさい。 気分はどうですか? あちらです。 Ouais, c'est pas la grande forme. Oh là là, c'est pas la grande forme. Ce que j'aime bien, c'est qu'on m'a fait chier pour choisir une tenue et putain, ils me mettent un truc par-dessus. Par contre, les bottes blanches sont du plus bel effet. Je vais pas courir un marathon. Le son du jeu, il est bon, ça va? Vous vous entendez bien? N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je l'augmente. Hein. Allez, Ludger. Tout va bien. Quoi? Du Perrier? De la Vittel? Qu'est-ce que c'est?
どこも皆乾いている。泉に実る血の涙が渇きを癒す。そう聞いていましたのに、こちらへ。 やはりあなたは。さあ、どうぞこれを。 新たな泉と労働力、どちらも確保だ。<笑>今日はついてるぜ。立て、楽しいお仕事の時間だ。やめて、先輩。立て、もうすぐ血類の実を探しに行くぞ。 早く準備をしろ。お目覚めかい？おっと、静かにな。お連れさん、さっき眠ったところだ。 Ah, le fameux mur qui ne mène nulle part. Mais regarde, c'est justifié, il y a plein de trucs dehors et tout. Non, 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 toujours pas en fait. C'est-à-dire que le boss final, en fait, c'est la reine. Non, je veux pas de spoil, hein. Oula, comment c'est pas déjà spoilé. Ce serait méchant. おかげで誰もこの霧の向こうに行けない。どこにも帰れないのよ。この牢屋を出ても。 De toute façon, il y a déjà tout le monde qui l'a fini ce jeu, donc. Je voyais, il y avait déjà Elias qui était en train de le speedrunner, tu sais. Fermez les yeux, allez-y, fermez les yeux avec moi. Nandayo, miteru na yo. Ue no yatsura. 何が野良だってんだ。安全な保護区暮らしだろうが。あいつらの血税のために、俺たちは命を危険にさらして血類集めだ。俺は諦めねえ。いつかあいつらを奴隷にしてやる。 Alors officiellement, le jeu est sorti la semaine dernière, mais tous les gros streamers US ont eu une clé une semaine avant la sortie du jeu, donc il y a 15 jours. Enfin, je sais qu'il y a 15 jours, Elias il streamait déjà sur le jeu complet, quoi. Samba.
お前も俺を殺すのか。心臓さえ潰れなきゃいいって憂さ晴らしをするのか。もうやめてくれ。体は死ななくてもとっくに心は死んでるんだよ。何回も何回も死んで正常でいられるわけがないだろう。記憶を、家族を俺から奪うな。もう何も持ってないんだよ。Après, c'est comme je vous l'ai dit, hein, le problème, c'est que maintenant, les gens, tels qu'ils soient, ils sont trop habitués à ce genre de jeu. Du coup, avant, un Dark Souls classique, ça te faisait un bon moment parce que tu galérais et t'y passais 10 ans. Maintenant, on a la plupart des streamers, on va dire entre guillemets, professionnels, qui vivent de ça, vu que les mecs, ils streament facilement 8 à 9 heures par jour minimum, ben, le jeu, déjà, ils ont plus de temps pour y jouer. Et surtout... ben du coup ils y arrivent plus facilement et en l'espace d'un week-end ils l'ont déjà torché et retourné dans tous les sens. Ça doit être marrant un speedrun de ce jeu quand même. Mais si, allez, ça va être marrant, on va aller chercher des perles et puis se les enfiler. Bon, je crois que j'ai parlé à peu près à tout le monde. Donc, let's go! Attends, j'ai pas parlé à l'autre là, mais je crois qu'elle dort en fait. Ça aurait été marrant, tu sais, que quand tu lui parles, elle ronfle comme un gros porc, tu sais. Elle ronfle comme ça, toi t'étais là. Bon, on va se barrer, hein. Allez. Ciao! La naissance des revenants. Ah, c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de t'expliquer dans les temps de chargement. Le savais-tu ? ここも枯れたか。正気が濃くなっているな。くせん。次の聴衆まで時間がないってのに。準備完了しました。ああ、すぐ行く。ふん。枯れているのはこいつらも同じか。そうです。枯れてますから。こんな正気の中での探索は無茶です。今日は。これが何か分かるな。血類だろ。そう。この血類を今から探してきてもらう。この先の地下道でな。血税の徴収日まであと少し。だが今の俺たちに余分な血類なんてない。このままじゃ血も涙もねえシルバの犬どもに身ぐるみ全部剥がされちまう。まあそういうわけだ。なんで僕たちがそんなこと。文句があるなら血税なんてクソみたいな制度を作ったシルバ様に直談判でもするんだな。まずはお前らだ。さっさと動け。ダメだ。みんなを巻き込んでしまう。今は従うしかないよ。次。おった。お前は俺たちと留守番だ。戻ったら返してやる。回収した血類と交換にな。最近はここらにもハンターが出るそうだ。全滅だけは勘弁してくれよ。さっさと行け。えいっ、おい、大丈夫か。ここから上に戻るのは無理か。帰りは別の道を探さないとな。あ、俺、オリバー・コリンズって言うんだ。よろしくな。
Ah. Ah oui, c'est vrai que lui, il a une putain d'arme, et moi, je suis là avec ça. Allez, Oliver. あの梯子が降りてれば。ロストの死体初めて見た。死体って言ったけど、これは死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前の休眠状態だって言われてる。 On peut déjà monter en niveau? Non, quand même. Tu vois, tu peux avoir le tuto et tout. Easy. 絶対に血類を見つけよう。敵か? Oui, bah, te la pète pas non plus, hein. Oh là là, c'est lourd, hein. Ouais, ça... Ça blesse ton, ta grosse épaule de merde. Bah, écoute. Oh, c'est chiant, au début, tu peux même pas te défendre. Enfin, ça, c'est ce que vous croyez. Bon. Ah, du coup, il y a un truc là. Des fragments de déchéance. Bon, c'est bien, ça ne nous change pas trop de la démo, hein, pour ceux qui ont fait de la démo. Ça va, c'est à peu près similaire. Hein. Vous pouvez récupérer vos privés grâce à la régénération en vous reposant près d'une pousse. Vous rechargez votre réserve de régénération. Le nombre de régénération et la quantité de PV récupérés peuvent être augmentés grâce au multiplicateur de régénération et à activateur de régénération. D'accord. J'ai rien compris. Ouais, tu peux augmenter la quantité et ça... D'accord, ok. Ah bon, j'ai compris. C'est quand que j'ai une vraie arme déjà? Oh, une hache d'arme. Yes. Alors fais voir un petit peu. On va enlever ça et mettre ça. Oh, c'est joli. Ok. Alors, où est-ce qu'il faudrait aller? Eh ben, je ne sais plus. Donc, on va d'abord aller par là. Des nuées peuvent être récupérées en retournant à l'endroit de votre mort. D'accord, ouais, bah ça c'est comme les trucs de Dark Souls. Voilà. Ah. Le fer de la reine. Ok, ça passe complètement au travers. Rien à foutre. Bon, ok. On va reprendre par là, du coup. Oh putain, il a une arme. Et il va pas me la looter, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ben, d'après ce que c'est écrit quand je l'ai ramassé, c'est un concentré d'icor. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est déjà pas trop mal, hein. Ah, un état de concentration. Remplissez votre jauge de concentration en subissant ou en esquivant des attaques pour restaurer votre endurance. R1 plus triangle projection. Thank you.
Ouais, ou tu fais ça en fait. C'est bien ça aussi. Attends, il a un fusil. Bon bah voilà, teamwork. Matériaux de l'ancien monde. Ouh, ça a l'air bien ça. Baïonnette de déchu. Ah, j'aime pas ça, les baïonnettes. いや、大丈夫って説得力ないよね。このマスク旧式だからかな。ちょっと息苦しくって。君こそ大丈夫？あの女の子、仲間なんだろ？血類を見つけて早く迎えに行ってあげないとな。 Voilà, one shot. De la lumière chimique. Dodai, tsukaeso? Des nouilles geisha. Ah, attends, c'est là d'où on vient. Qu'il faut aller de ce côté. Casse-toi le slime. Yeni Rosto ga iru. Du tonic MJ-018. Une pièce antique. Oh. Tonic MJ-018. J'ai rien oublié, c'est bon. Merci à toi, mec le hachoir. De regarder toutes ces belles vidéos. Cartographie. Ben, purifions le miasme, comme ça on aura accès à la carte. Voilà. Voilà, Co-Angelus. Limier bleu. Et ben voilà. Là, je me kiffe là. Yatta, aita. Je peux avoir le tiers de sang. Vous pouvez utiliser des nuées et des matériaux pour maximiser votre maîtrise. Donc là, avec ça, j'ai augmente les PV max, augmente votre puissance d'attaque, exécutez un combo sur une cible à proximité, d'accord. On va essayer de débloquer la pyromancie là, qu'on a eu tout à l'heure. On va essayer. Dans une heure, tu es niveau 25. Ouais, peut-être pas non plus. C'est comme... j'allais dire, c'est pas Dark Souls 2. Ouais. Tu augmentes de 15 milliards de niveaux. Oui, tu peux consulter le tuto. Super. On peut aller par là. J'ai très envie d'y aller. Ici, c'est
été si désavantagé que ça? Je ne crois pas, non. Ok, ici, il n'y a rien. Donc on a bien fait d'aller par là en premier. Bon, c'était pas ouf, mais... Bah, à deux, c'est plus simple. さっきの人じゃないか?どうした?どこか怪我でも? ついてないな。少し休んでから行くよ。大丈夫だって。いいから、ほら。君は血類を探さないと。あの子が待ってるから。 Bon, il répète les mêmes choses. De la lumière, chimique. Putain, il y a un ennemi juste à côté de toi, mec. Faut vraiment que j'apprenne comment on part. Trop lent. J'arrive pas à voir comment. Ah, glaive de déchu. Voilà, là ça me parle. Ouais, alors c'est un moveset. Moveset moyen. Un petit peu de vie, parce que j'ai fait le con en essayant de parer. Il faudrait que j'ai un point de sauvegarde à côté d'un ennemi en fait pour apprendre la parade. Ce sera plus intéressant, je pense. C'est juste trop classe quand même. Je vais aimer cette arme. Ouais, faut bien vérifier qu'il soit mort. Plus de patates et c'est bon quoi. Et toujours plus de tonique.
Ce qui est pratique en fait, c'est que comme tu les stun, tu peux attaquer un petit peu en retard, c'est pas très grave quoi. Alors ça c'est trop facile. Nice. Oh, multiplicateur de régène. Et voilà. Comme ça, on a une régène supplémentaire. Génial, franchement super. Continuons. Comment je fais pour atteindre cet endroit? Mais comment atteindre ces monstres? Ah bah par là. Allez, on dégage. Oh, des dagues. Je crois que c'est des objets de lancer. Je veux pas dire de bêtises. Alors ça c'est un gros monstre. Tu penses m'avoir mon gars? Et non! Tu affrontes le serpent divin! Et je ne parle pas de ma bite. Eh, du tonic. Yes, j'aurais dit. Voilà, eux par contre, ils ont l'air bien morts. Vous êtes 35 sur live, merci à vous d'être là en tout cas. Merci à vous de suivre les aventures de Ludger Kresnik sur Code Vein. Autrefois héros dans Xillia 2. Il est de retour et il affronte une nuée de vampires. Peut-être pour se venger de Tales of Berseria. Je ne sais pas. Ok. Alors après on peut remonter par là. Ouais. Mais oui, c'est clair, tous les chemins vont ici. C'est pas très tortueux, c'est bien. Alors après, soit je peux aller par... soit je peux me reposer. Ouf. Pour retrouver sa cravate. Quel est le but? Sauver le monde? Non, non, je dois retrouver ma cravate jaune dorée. Je dois quand même bien essayer le thé. Taste de Booyah. Épine régicide. Oh, ça fait quoi ça? D'accord. Alors. Ben, c'est dégueulasse. Je préfère largement ça. Reposons-nous à la pousse. Alors, on peut soit monter en niveau, soit acquérir des dons. Cri embrasé.
maintenant, j'ai ça. Est-ce que... est possible de s'en équiper ou non? Alors, j'ai acquis un don. Problème, c'est qu'il faut que je sois mage pour l'équiper. Ou est-ce qu'il faut que j'ai la maîtrise maximale? J'ai pas compris. Ah, il faut que sa maîtrise soit au max. Oh là là, c'est dégueulasse. Ah. Yes, j'ai pas la stat requise. D'accord, volonté B. Ok. Peut-être que j'augmente de niveau du coup. Elle est où ma volonté là-dedans? Ok, comment je fais pour... Les niveaux n'améliorent pas... Ah. C'est les armures qui changeaient les stats. Il faut des stats requises quand même pour porter certains équipements. Alors les armures influent sur les stats. En effet. Attends, j'ai pas compris. Et après, tu peux te rééquiper de trucs. Ah, c'est con. C'est encore un petit peu le fouillis, hein, au niveau de... Faudrait que j'améliore... Ouais, mais au pire, si je veux améliorer ma volonté... En fait, c'est ça. Il faut que je sois mage. C'est ce que je dis. C'est bizarre. Costume ou don pour changer de cap? En gros, t'as des dons pour chaque code. Si tu remplis la barre de maîtrise d'un don, tu pourras utiliser le don, peu importe ton code sanguin. Genre là, je le maîtrise pas à fond, le... Là, je le maîtrise, du coup. J'avais B en dex, là je vais avoir C. Je vais perdre 34 en attaque. Ah.
Tant pis, mais au moins on sait qu'on a débloqué. On va continuer un peu. D'accord. En fait, ce que je comprends pas, c'est juste si je veux avoir, par exemple, attends, il y a mes stats là. Là. Si je veux utiliser le sort que je me suis fait chier à prendre, il me faut de la volonté. Sauf que c'est pas comme Dark Souls où quand je monte de niveau, je choisis par exemple, ben tiens, je vais avoir la force, la dex ou l'esprit, tu vois, je choisis des points de stats qui vont être améliorés. Le jeu, il m'augmente automatiquement certaines stats et c'est tout. Du coup, c'est ça en fait, d'où ma question du... Alors attends, j'ai débloqué un truc maximal, ce qui signifie que je peux l'utiliser, mais je n'ai pas les stats requises en volonté. Du coup, pour changer mes stats en volonté, soit je change d'équipement, soit du coup je change de code génétique. C'est bien ça ? Bien le bonsoir, Stazak. On essaie de comprendre un petit peu le jeu. Ah, t'as une barre sous certains dons. C'est cette barre qui détermine ta maîtrise totale. Ah, mais là on a payé pour avoir la maîtrise totale en fait. J'ai complètement cheaté en fait. Mais c'est les deux seuls moyens pour pouvoir utiliser. Genre là, en gros, je pourrais jamais utiliser mon truc enflammé avec ce code génétique. C'est ça. Ça veut dire qu'on va débloquer 49 stats. Du coup, si t'as payé pour la maîtrise totale, tu peux l'user peu importe ton code sanguin. Bah non, c'est ce qu'on est en train de prouver justement. Je viens de payer pour avoir la maîtrise totale de ce truc brûlant, mais je peux pas l'utiliser avec ce code sanguin parce que j'ai pas la stat requise. J'ai payé pour celui-là. J'ai complètement payé, mais je peux pas l'utiliser avec ce code sanguin de combattant en fait. Alors éventuellement, peut-être qu'avec le veilleur, je peux. Augmente peut-être qu'avec celui-là je peux, je serais. Je peux pas non plus. Il m'emmerde ce truc. Il faut payer de volonté. Tu vois, là je peux l'utiliser parce que j'ai la volonté nécessaire. Mais une fois que je change de truc, par exemple là, bah là je peux pas. D'accord, il faut trouver une tenue qui me donne le plus de volonté quoi. Bah, en théorie je pourrais, ok. Eh bah allez, objectif, trouver une bonne tenue. Alors attends, avant d'y aller, copain, on va aller se reposer, parce que je sais pas pourquoi j'ai perdu de la vie, j'ai dû changer tellement de... Ah, peut-être parce que j'étais passé en mage, le mage il a moins de vie, quelque chose comme ça. Je pense que c'est surtout ça. Il manque pas grand-chose quand même pour monter de niveau. Passif, tenue, code. En fait, c'est juste ça en fait que je... Si tu veux, que je ne comprenais pas, c'est le fait de dire « Attends, c'est bon, j'ai la maîtrise totale. Pourquoi est-ce que ça m'emmerde encore un peu, tu sais ?» C'est bizarre qu'on puisse pas choisir, en fait. On est obligé de porter une tenue, en fait. Quand tu veux, Louis. Heureusement que je suis là, quoi. Eh, je nous augmente également la puissance d'attaque. Alors, attends, lui, il a un flingue. Lui aussi, il a un flingue.
Ouh! Frère de la reine. Génial ça! Quand tu es en maîtrise totale, ce que je suis, ça te permet d'équiper sous n'importe quel code sanguin tant que tu as les stats. Ouais, voilà. Mais là, du coup, je n'ai pas les stats. Donc, la seule manière de pouvoir utiliser les boules de feu sous ce code génétique-là, à moins que j'en débloque un autre qui donne déjà un peu plus de volonté, ce serait de changer de tenue. Et c'est tout. Il n'y a que la tenue, en fait, qui changerait ça. Si je veux garder ce code sanguin-là, je parle. Sinon, évidemment, je change de code sanguin, mais... En gros, là, il me faudrait... Mon objectif, je pense, du coup, ce serait un code sanguin qui me donne de la Dex, je pense. Parce que celui-là est assez équilibré. Tu vois, celui-là, il a déjà plus de volonté, mais j'ai moins de vie, bref. Ce serait un qui me donne de la Dex et de la volonté. Dex et volonté, ça peut être pas mal, en soi. En fait, j'aimerais de la magie et avoir une petite arme... comme celle-ci en fait. Après celle-là, je sais pas en vrai si elle dépend de la volonté. De la Dex. Si, A, C, D, ouais. Ouais, ça c'est les armes typiques Dark Souls, du genre épée droite et... Après t'en fais un peu ce que tu veux. J'aime pas trop ce genre d'arme. Parce que du coup tu sais pas quoi améliorer, parce que bon, elle sera bien, mais... Et limite en fait tu sais qu'il faudrait l'infuser, sauf que je sais pas si tu peux infuser des armes dans ce jeu. Parce que dans les Souls, quand t'as une arme CD, en gros, faut l'infuser. Quoi. Sinon, ça ne sert à rien. Ou alors, tu la forges en spécial Dex ou spécial Force avec une gemme brute. Ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Gemme tranchante. Ok, donc là, c'est là d'où on vient. Perfecto. Les dons passifs qui améliorent certaines stats. C'est où ça les dons passifs? C'est ça là? C'est ça là les dons passifs là? Cela je vois améliore la barre de vie max, ça doit être ça. Parce que du coup, si je mets par exemple ce code sanguin, j'ai pas le même passif de ce que je vois. Heureusement que vous êtes là pour m'expliquer quand même, hein. Merci les gars, parce que. C'est un peu délicat, mais bon, c'est normal, c'est le début du jeu. On apprend en s'amusant. Hop là. Let's go. Ah, tu peux les infuser. Bon, bah, ça me va alors. J'aime beaucoup cette arme. Maintenant, il est plus aisé d'assigner les codes passifs une fois maîtrisés, ce quel que soit ton code sanguin. Votre sort a des propriétés uniques capables d'activer les sources de sang asséchées. Une fois revenu à la vie, les sources de sang recommenceront à produire des perles. La composition de ces perles est identique à celle du sang humain. Okay. Ah ouais, on a trouvé mon gars. Attends, y'avait rien en bas, y'a rien à trouver ici. Ah. Y'a rien à trouver à part l'objectif principal, enfin je sais pas. Non mais on a trouvé ce qu'il nous fallait là, le truc de sang. Ouais, non mais je veux dire, outre ce léger détail, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de vraiment cool à prendre pour notre inventaire? Tadam! Je vais me reposer à la pousse. 42, merci à vous d'être là ce soir, merci beaucoup. Et merci encore à Lucas et Gamers pour les cheers, pour toutes les bits offerts ce soir. Ce qui me permettra d'avoir un peu moins mal aux fesses avec toutes ces taxes que j'ai dû payer ces derniers temps. Et pour ceux que ça intéresse, ma voiture a passé le contrôle technique avec succès. Je suis encore tranquille pour 2 ans, yes. Donc, fuck le joint de culasse, et puis on prie pour que ça tienne encore 2 ans. Acquérir hérité des dons.
Tu me fileras des détails plus tard? Non. Non. L'âme régicide. Alors, elle a... Plus de dex. Eh ben, on va se la mettre en arme 2. Ah ouais, c'est plus... Mais j'imagine tu fais beaucoup moins de dégâts avec. Ah, physique 238, c'est ça. Okay. Base et échelle. Alors j'imagine, base, c'est l'attaque de base classique. Que tu peux améliorer. Et l'échelle, c'est tout simplement le scaling. Ouais. Regardez ça, c'est plus puissant pour l'instant. Moi je reste sur la puissance d'attaque. Le contrôle technique c'est tous les deux ans. Oh mon dieu, les gamers qui offrent ces 200 bits. C'est à nous de te remercier pour ce contenu de qualité. Oh mon dieu, merci beaucoup gamers. Remerciez-le bien parce qu'il offre des cadeaux à 3 personnes dans le chat. Oh, c'est mignon, ils te mettent un petit truc à ramasser, puis derrière t'as un ennemi. Mais bon. Tant que Louis veille au grain. Ah non, pour l'instant c'est étranger, on connaît pas encore son nom. Oh, oh. C'est enfilade. Ok. Concentré, Dicor. Par contre, s'ils veulent faire le contrôle technique tous les ans, fuck it quoi. Déjà qu'il est à plus de 80 balles le contrôle technique maintenant, alors. Damn. Je me rappelle à une époque où je le payais 60 et quelques euros. Ah, je l'ai eu. C'est bon, on est sauvé. Ou pas. Putain, ces grands monstres, je vous jure que... Ils te mettent pas à l'aise. Hein. Fer de la reine. Des épines de jugement. Attends, fais voir comment... Oh, dur. Oh, le mec, il est arrivé. Cela. Et bonsoir, Matex. Oh, mais t'es trop fort, toi, putain. Vas-y, tu peux le faire. Vaccin anti-étourdissement, selon. Le tonic MJ 018. Un excellent tonic. Moins bon que le MJ 017 ou le MJ 016, mais bon. Ah. Tortographe. Bien. Ah,
Je sais pas si on a tout exploré, fais voir. Est-ce que c'est des zones qu'on a explorées après ce qu'on voit là? Alors en bas, oui. Ensemble contre vent. Okay. Je pense que c'est ce trophée. Ah ouais, c'est un truc. Ok, on est déjà allé. Oh, c'est bon, je voulais juste vérifier. D'accord, à part spammer une putain d'AO. Taste of Booyah! Oliver Collins. Bougie d'atta ka? Tokoro de, omae tachi wa? Revenant ni sadamerareta gimu da. 例外はない。 血液か。 そいつには触らない方がいい。 触れたものに侵食し、 ロストに変える危険な意志だ。 ささやきに耳を貸すな。 誰かが 犠牲になるしかないんだ。 血類がなければ、 俺たちは。 その子が落ち着いたら、 ここを離れよう。 誰かが犠牲になるしかないんだ。声が聞こえます。俺が周囲を警戒しておく。お前は彼女を見ていてくれ。彼女が
Alors je suis d'accord avec toi, maître Xehanort, déjà bien le bonsoir, et je suis d'accord avec toi que il y a tellement de bons jeux là que c'est compliqué. Après, perso, je sais pas encore trop, je pense Code Vein en live ça peut être sympa, et de temps en temps un petit peu de Border en live, mais sinon Border, je sais que je préférerais y jouer dans mon coin tranquille. Tout ça, jeu très long, et à farm. Et Monster Hunter, je l'ai pas acheté. Ah, il est pas magnifique, putain, Ludger Kresnik, quoi. Oh, franchement, excellent. しかないんだ。血類がなければ俺たちは数少ない人間のほとんどがシルバの管理下にある。俺たちのような野良のレブナントは死に物狂いで血類を探さなくちゃならないのさ。たとえ他のレブナントを犠牲にしてでも。 血が当たったんだろうな、きっと。せめてあいつだけで助かってくれれば。ここは記憶の残滓。 失われた記憶が漂う場所、参りましょう。あの階段を進めば元の場所に戻れます。これはあのロストの過去。いや、まさかそんな。 Bah bien sympa pour l'instant. Bien sympa. Bon, c'est le même niveau que la démo et tout, mais au moins on pourra débloquer le niveau suivant. Et le prochain niveau. Imano. Ittai. Kyok. Ano ketsuei ni kizamarete ita mochinushi no. Masaka. 俺も一緒に引き込まれると。溶け合ったのですね、あなたと。信じられない。これもお前の力なのか。ついてきてくれ。今は休める場所が必要だろう。俺はルイ、血類の研究をしている。
よろしくな。Oh, cœur de l'enragé. Propriétaire du code, Oliver Collins. Axé sur la force et l'endurance. Compense son faible stock d'icor par une armure lourde. Dommage, c'est pas ce qui nous intéresse. Bon, en même temps, si on trouvait dès le début du jeu exactement ce qu'on aimerait avoir. Mais au moins, c'est bien ça. Tu prends la hache, tu prends ça. On verra le jour où on l'aura, Scott Sanguin. Merci, gamer. Parce que, ouais, moi, j'aimerais vraiment Dex et Volonté. Comme ça, on pourra lancer des bons gros sorts bien bourrins.